I took your presence for
took your presence for granted. But I always cared. Yeah.
Love.
I miss the love we share. I know you're
Yeah.
I just want to make sure that everyone, please make sure to have your cell phones on vibrate. Et si nous avons téléphone, demandez que nous mettions sur silence, s'il vous plaît. And we will be starting the service shortly. We'll be starting exactly at 10. If you haven't had a chance to see him and you'd like to come up, this is your chance. We will not be opening the casket at the end. So if you haven't had a chance, I would say to come up before we close the casket. Thank you.
Chers frères et sœurs et amis, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes ici ce matin juste pour célébrer la vie d'un homme de Dieu. Je ne dirais pas un grand homme de Dieu, mais il est en quelque sorte l'homme de Dieu. Nous allons devoir, chers amis, entonner ensemble le cantique 27, section française, mélodie joyeuse. À la gloire de Dieu. 27, mélodie joyeuse, Dieu Tout-Puissant.
quand mon cœur considère tout l'univers créé par son pouvoir. Ainsi, l'Assemblée est prête de se mettre debout pour la gloire de Dieu. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, allons célèbres chants, Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, allons célèbre un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand peut penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur nous dit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur me dit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclate de lumière, un Dieu si grand a pu penser à moi, et que les sons, les douleurs de la terre, je pourrais voir les splendeurs de essentiel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que son âme. Restons debout, chers amis, pour accueillir le révérend docteur Jean-Jean Pierre. Je suis le révérend docteur Jean-Jean-Pierre de l'église CMC, localisée 5022 Nord-Ouest, 7e Avenue. Ce matin, Auguste, nous sommes réunis pour payer notre respect au défunt frère Cadeus Jeannot. Il a grandi son âme pour l'éternité le mercredi 31 janvier 2024 à
à 8 p.m. à l'hôpital Quidem Sacré-Cœur de Milo. L'église CMC et ma famille envoient leurs condoléances à la famille éprouvée de cette douloureuse perte. Nos profonds respects s'en vont à son épouse, Véronique Jeannot, ses enfants Stenly, Neldwine, Kerry, Jeannot. Enfin, tous ici présents, nous sommes condamnés à la mort et nous allons mourir un jour ou l'autre, dit Montaigne. Une fois de plus, bienvenue. Veuillez vous asseoir. Merci. Écoutons à présent le révérend pasteur Willy Rouchon dans la prière d'invocation. Mes chers amis, comment nous faisons pour la prière? Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus de Nazareth, nous présentons devant toi, nous, tandis que nous trouvons-nous dans ce Saint-Temple, question pour nous capables de rendre un dernier hommage à notre bien-aimé frère Cadéus, qui est déjà parti pour l'éternité. Dans le moment ça, Seigneur, nous avons demandé que présence soit capable de conforter chaque membre famille, amis et l'église CMC qui attristé par de parler. Nous demandons grâce à vous, Babou, à Jésus, les mêmes qu'à vivre, qu'à prendre depuis tout le temps, à pour tout le temps. Écoutons, chers amis, à présent une spéciale présentation par le groupe Les Youth du CMC. God sent his son, they called him Jesus, he came to love, heal and forgive, he lived and died, to buy my pardon, an empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know, yes, I know he holds the future. And life is worth the living just because he lives. Oh, Jesus.
fini, le Jésus qui t'est fini, pour pardonner, et racheter nous, et limiter nous, couvrir à la vie, à papa, la paix en nous. Moi connais le vivant, moi connais le vivant. Inquiétude moi aller parce que me connais, on me connaît, lui c'est toute la vie moi. M'a compté jour pour lui chercher parce que vivant. And then one day across the river I'll fight as far. Ain't no worry. And then as death gives way to victory, I see the light of glory and I know it right. Because it lives, I can face tomorrow. Because it lives, our fear is gone. Because I know, yes, I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. To Christ, moi, moi, c'est sous les seulement, parce que dis-moi, la vie cherchée, et peut-être la vie ça. La femme douter du tout, bon Dieu n'en gras, et lui vivant, ma paix dans lui. Moi connais le vivant, moi connais le vivant, ma compte sous deux mains, parce que le vivant, et je dis moi aller, parce que me connais, bon connais lui, c'est tout. Des jours pour le vin chercher parce que le vivant. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, our fear is gone. Because I know, yes, I know he knows the future. And life is worth the living. M'a compté jour pour le venir chercher moi parce que le vivant. Non, parce que savoir que Jésus disait je suis la résurrection et la vie. Une fois que Jésus-Christ est la résurrection et la vie, pour nous autres qui en quelque sorte sont en Christ, nous garissons toujours l'espoir, sachant que il retournera assez hâtant pour nous chercher, n'est-ce pas? Et maintenant avec vous, la sœur Gina Jean-Pierre, dans la lecture de la parole de Dieu. Ainsi, nous demandons à l'Assemblée de vouloir vous mettre debout, s'il vous plaît.
Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Et le jour de la mort que le jour de la naissance. Nous faisons lecture dans Ecclésiaste, chapitre 7, du verset 1er jusqu'au verset 10. Ecclésiaste 7, du verset 1er jusqu'au verset 10, inclusivement. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. Mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. Mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. Car comme le bruit des épines sous la chaudière, ainsi est le rire des insensés. C'est encore là une vanité. L'oppression rend insensé le sage, et les présents corrompent le cœur. Mieux vaut la fin d'une chose que de commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te hâte pas à ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Ne dis pas, d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. Encore une fois de plus pour finir, le verset 10. Ne dis pas, d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. C'est là que s'arrête la lecture. Que Dieu donne la bénédiction pour l'édification commune de notre âme. Merci, asseyez-vous. Écoutons à présent Stenly Jeannot, son fils, dans son obituary eulogy. Il est le fils des deux frères, n'est-ce pas? Good morning to everybody in attendance, family members, family watching in Haiti, friends in attendance. As many of you know, that today we'll be conducting two services. My father, homegrown services here, and my grandmother, my dad, mom in Haiti. Please keep my family in your prayers as we cope with the loss of four family members within the first 2 months of 2024. Wednesday, February 28, 2024, me and my mother went to CMC, sat down, and completed the order of service for today with Pastor Dr. Reverend Jean-Jean Pierre. Later that same afternoon, my mother received a call from her sister in Haiti, and we were notified that my grandmother, my dad, mother had passed away at 104 years old. God doesn't make mistakes. Everything happened for a reason. Wednesday, January 31st, 2024 is when I received the tragic news that my father unexpectedly passed away in Haiti. I was in complete shock and lost for words. To be honest, I still am. I did not want to believe the news. I quickly went and notified my mom, sister, and little brother. My father had called me on January 9th, 2024. I was at work. I wasn't able to answer his call. He left me a voicemail on WhatsApp asking me to look for tickets for him for the month of February to come back to Miami. I went online and found a couple options and sent him the prices of the tickets. My dad left me another voice message the following day telling me he purchased the ticket
as he did not want the prices to increase at a later date. It was later learned that the ticket my dad purchased was for February 11, 2024. He was supposed to return back to Miami. He died 10 days before his scheduled flight. As I tried to cope with my father's death, I came across a Bible verse which brought me some comfort, Romans 14, verse 8. If we live for the Lord, and if we die for the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. Death has no age. We can be here today and gone tomorrow. As Job 14, verse 5 explained, a person's days are determined. You have decreed the number of his months and have set limits he cannot exceed. Our lives are in the hands of the Lord. He knows the day and time we will all die. We can go to all the doctors we want, take all the medicines we want. There's nothing we can do to change what God already knows will happen. In life, there are three certainties, which are birth, death, and taxes, as my uncle would say. My mom and Uncle Bruno has a saying they always say, it is not when your eyes is closed you make your bed. Invest in yourself and your family. If possible, get life insurance. The Lord is always here when you need someone to talk to, an ear to hear, and a shoulder to lean on. Repent and give your life to the Lord. Don't only call on to the Lord when you need something. Pray all the time. Every day you wake up, you should be thanking the Lord for waking you up, as a lot of people did not have that opportunity. Before you eat, have the Lord bless the food. Before you leave the house, pray to the Lord for protection. Thank the Lord for what he has already done. Believe in the Lord, spread the word of the Lord, and pray. For anyone who knew my father knew he loved his family, was a hard worker and strict and big on discipline. When my dad was not working and had free time, he was on 52nd Street playing dominoes with family and friends. My dad also spoke on how he loved his family and friends. My father used to always tell me and my sister growing up, I want to see you guys succeed in life. I don't want to see you guys throw your lives away. We left Haiti to make sure you and your sister could experience a better life. Safe to say, Dad, we did not disappoint you. You were always proud of me and my sister's accomplishments. You were quick to let family and friends know how proud of us you were and updated them on our journeys from graduating high school, college, and not falling into the wrong crowds. Although you won't be here to see what else we'll accomplish in life, we know you'll be watching every step of the way. Me and my dad bonded while I was a small child. We used to always watch wrestling growing up until I found out it was fake. We also bonded over watching basketball, especially Miami Heat games. Let's be honest, every Haitian's parents in Miami were Miami Heat fans when Wade, LeBron, and Bosh joined hands in 2010. Although we never went to a Miami Heat game together in person, we would always watch from the comfort of our house. While planning my father's homegoing, the amount of people from family to friends that reached out to talk about my dad was astonishing. Everyone I spoke to had nothing but love for my dad and had only positives to say. They all pretty much said the same thing. My dad was for the people. He treated everyone with respect. He would take the shirt off his back for anyone who needed help, if needed. Dad, I'm thankful for our time together. You got to see me and my sister graduate from high school and college. You got to watch us grow. My only regret is you will not be able to see your youngest son, Kerry, grow up and accomplish his goals in life. You will not be here to see me and my siblings continue writing our chapters in life, get married, and have kids of our own one day. Mom, don't worry about no grandkids for me anytime soon. Have you seen the cost of living? Maybe one day, but not now. Dad, I'll always cherish the memories that we shared together. Thank you for everything. You can rest easy. Me and my sister got our mom and our little brother from here. And Dad, as we celebrate your homegoing, just know today is not goodbye. It's until we meet again. And Carrie, as we celebrate our father's homegoing today, don't think for one second you could do whatever you want. Me and my sister, we do not play with kids. Try us if you want. Special thanks to Teresa, Cynthia, Stephanie, Uncle Bruno, Adrian, Uncle Henry, Aunt Bridget, Uncle Fritz, Pastor Reverend Dr. John John, CMC, St. Force Funeral Home and Cremation, also New Birth Baptist Church for allowing us to have my father's homegrown service in this beautiful house of the Lord. Without you guys, today's service would not be possible. Thank you. And also,
Thank you to Louvins, aka Mr. Groove and the band, for providing the selections for us today. And that's all for me. Good morning, everybody. Although death is a part of life and it's inevitable, I never thought I would be experiencing this. I never imagined at 25 I'll be losing my dad, my protector, and my friend. He was 70, but he still moved around like he was 20 to 30 years younger. When I first got the news was that my dad passed, I was shocked. I couldn't take it seriously. For the longest, I tried to convince myself that he was still in Haiti enjoying his vacation, and he would come back February 11th as scheduled. When February 11th came around, I just made more excuses of why he wasn't back yet. It wasn't until I seen his body for the first time that reality started to kick in. Even then, I was still in denial and had hopes of maybe seeing him again. Growing up, everyone knew that Stanley was for my mom. He was her baby boy, and I was for my dad. I was his baby girl. I was his teenel. Anything I wanted in life, he did his best to try to get it for me. When we were younger, there were times that Stanley wanted something, and he would make me go ask my dad because he knew 9 times out of 10 the answer would be yes if it came from me. My dad opened up my first bank account. He gave me my first $1,000. He was the one that started to teach me how to drive, even though the lessons were never that good because he was always yelling, thinking I was trying to crash him. I'll do anything just to have a moment with him again. My dad was the one that started my love for traveling. He always told me that he always wanted his kids to know more than just Miami, to experience the world as much as we can. Any trip I wanted to take, he was always for it. He always treated my friends as his bonus daughters anywhere we wanted to go. He always took us no matter the time. There was times that he had to be up for work at 4 o'clock, 6 o'clock in the morning. But if we went to the movies or somewhere out, he was there to pick us up at 12 a.m. with no issues. He always made sure that I was able to enjoy the fun things in life. He always just wanted to make me happy and smile, even when he didn't understand half the things I was doing. He allowed me to create my own path in this world. He always told the worst jokes, but I'll do anything at this moment just to hear his corny jokes again. Everyone who knew my dad knew he was a joy to be around. He was charming, he was caring, and he was helpful to everyone. He would give his last to anybody in need. There are so many things that I wish we could have experienced before he left. I hope that I truly made him proud, and I hope that he knew I loved him as much as he loved me. Capable de comprendre, chers amis, ce sentiment indicible qui traverse notre jeune fille, notre jeune sœur. Et après sa lecture, ça qui vient d'en passer par moi, c'est pour nous une responsabilité. La responsabilité à nous, chers amis, c'est pour nous prier, continuer à prier pour que la famille s'arrête unie, qu'on soit capable d'essayer en quelque sorte boucher vide là. Nous pensons, chers amis, que le départ de leur père laisse en eux un creux. Ce creux n'est vraiment pas facile à boucher. Mais l'essentiel, chers amis, si nous prions pour eux, nous sommes dans la prière, nous croyons que vite ça, peut-être dans 10, 15 ans, 20 ans, capable de boucher. Que le Seigneur bénisse la famille.
programme n'a pas clenché, chers amis, avec la présentation des dames CMC, groupe d'hommes CMC, à la gloire de Dieu. Le groupe d'hommes CMC est prié de passer par devant, s'il vous plaît. Content, ma content,
Maintenant, nous bien ensemble avec nous. Elle est belle. For this present time, the band, would you play for us, please? Thank you. Yeah.
Car Dieu a tant aimé le monde tant qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tandis que le programme s'enchaîne avec le groupe des dames du CMC dans leur sélection pour la gloire de Dieu. Thank you.
J'ai battu le bon combat. J'ai achevé la course. Désormais, j'aurai un alléluia. Continuez l'alléluia dans ma bouche, n'est-ce pas? C'est ça notre chant, chers amis, une magnifique chanson de nos bien-aimés. Moi, gagné un alléluia. On nous lutte, chers amis, pour que nous ayons la vie nous finisse sur terre, ça. Dans l'œuvre, nous. Yo continuel, alléluia. Nous allons, chers amis, entonner le cantique 183 du recueil chant d'espérance, tandis que nous allons, en quelques instants, recevoir la chorale du CMC encore dans le premier mot, recevoir la gloire de Dieu. Mort avec Christ d'une mort volontaire, je vis au ciel de grâce sur cette terre. En attendant son glorieux retour, je suis gardé par lui de jour en jour. Mort avec Christ d'une mort volontaire, je vis au ciel déjà sur cette terre, en attendant son glorieux retour, je suis gardé par lui de jour en jour. Jour après jour gardé par ton amour, jour après jour à l'abri de ton aile, c'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens au Sauveur pour les douleurs que son cœur ne partage, il est fardeau dont il ne me soulage, il est de pleurs qui ne daigne tarir, il est de mots qui ne puissent guérir. Jour après jour gardé par ton amour, jour après jour à l'abri de ton aile, c'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens ô Sauveur pour toujours. Jour après jour gardé par ton amour, jour après jour à l'abri de ton aile, c'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens ô Sauveur pour toujours.
combler le vide tandis que la chorale se prépare. En ton nom, chers amis, le cantique 251, section française. À la gloire de Dieu, je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres à cette heure, ce sera la gloire pour moi. Chantons, chers amis, ensemble ce cantique. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière revaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière revaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Je distinguerai sur les chants des bienheureux, les accents, les accords, les hymnes évangéliques. Mais je sais que voyant ma voix au Saint-Francis, bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Mais je sais que joyant ma voix au Saint-Francis, bientôt j'adorerai comme eux. Je sais à le palais et bien, mais je sais que mon âme y sera reconnu. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel. Tandis que la chorale n'est pas prête encore, je vais faire un solo pour la gloire de Dieu. Éternel, tu me sondes, tu me connais. Tu sais quand je m'assis, quand je me lève. Tu connais trop de loin ma pensée, et tu connais trop toute ma voix. Où irais-je loin de ton esprit? Où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Même au séjour des mortifs, voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Où irais-je loin de ton esprit? Où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Même au séjour des mortifs, voilà. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour. Où irais-je loin de ton esprit? Où fuirais-je
qu'il voie ta face. Si je monte aux cieux, tu y es. Même au séjour des morts, tu y vois là. Sens de moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Même au séjour des morts, y voilà. Sens de moi, ô Dieu, connais mon cœur. Sens de moi, ô Dieu, connais mon cœur. Regarde, cher Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Si je prends les ailes de l'aurore que j'ai habité à l'extrémité de la terre, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Même au séjour des morts, voilà, si voilà, si voilà. Maintenant, c'est le tour de la chorale. Elle s'avance. Le choral, la chorale s'avance.
Jambé montagne, la vie t'est faite.
Traverse la vallée de l'ombre de la mort, dit David, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et pour ce mon cher ami, avec le programme, avec le pasteur Sagesse, Raphaël Sagesse, dans la prière de confort. Non, l'église temple de l'Éternel, l'hôpital par la foi. À la famille Jeannot, condoléances. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, notre bon Père Céleste, nous disons merci, Seigneur. Merci, merci et merci. Merci, Seigneur, de ce côté que bail. Jeannot, 70 ans. Soutez ça. C'est grâce, Seigneur. Vous te protégez de tout mal. Et vous te baillez famille. Un jeune garçon. Qui était très important. Maman, ni Seigneur. Famille ou bail ou prend que non béni. Chaque monde gagnons l'heure. Nous disons merci Seigneur pour ces jours. Il t'est passé sous tes seins. Nous disons encore Seigneur merci pour maman ni. Bien qu'elle tende des nouvelles là, elle prend des nouvelles là, elle voyage et tout. Famille en deuil, famille inconsolable. Mais on peut se faire reconnaître ou baille, ou prend que non béni. Petit garçon, lio, petite fille, madame ni. Va protéger la route qui a fait Seigneur. Vous êtes capable de suivre un bon chemin. Parce que vous dites où aller, où aller préparer en place. La trompette l'a sonné. Les morts en Christ après ressuscité premièrement. Fais-nous capable de rester dans Christ, fais-nous capable de rester dans Christ. Chaque famille, cousin et cousine. Ma tante, tantine et tonton. Protégez-vous, Seigneur. Gardez-vous. Faites-vous sentir, Seigneur, ou pas abandonner-vous.
pour là ensemble avec nous. Nous disons merci et merci et merci. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ, à vous-même ce soir la gloire, au siècle des siècles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Par nos péchés, comme si nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et nous du point à la tentation. Mais Seigneur Dieu du malin, car toi seul appartiens les règles, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Moment arrivé, chers amis, côté que nous parlons de le révérend docteur pasteur Jean-Pierre dans le sermon de circonstances. Veuillez vous mettre debout, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Merci. Seigneur, la paix ensemble avec nous. Nous disons Seigneur, merci pour l'opportunité de nous réunir, nous camper sous votre Dieu maintenant, pour célébrer la vie de notre bien-aimé frère de fin, Cadeus Jeannot. Tantôt quelques minutes de cela écoulé, l'évangéliste Gina Erjon te soutient pour nous dans Ecclésiaste, chapitre 7, du verset 1er jusqu'au verset 10, exclusivement. Titre pour cérémonie après-midi, matin, c'est la difficulté pour l'homme de choisir le vrai chemin avant sa mort. The theme for today is a hardship for humankind to choose the right direction or the right way before his death. Auteur Salomon, fils de David, lui montre-nous comment pour nous cap marcher. Comment nous capables de suivre une bonne voie? Dans le verset 1er, il dit, une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Et le jour de la mort que le jour de la naissance. Deuxième verset, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est la fin de tout temps. Les continuer à parler caractère de l'homme. Comment l'homme supposé respecter mon Dieu. Mais dans la nomenclature que je vais faire ensemble avec nous, je vais regarder et sacrer les réputations.
You know what I'm going to do for the nomenclature? We're going to look for the word reputation. What does the word mean? What is the meaning of that word? Dans la lumière de la Bible, nous la vie est un mystère. Et la mort est un mystère également. Ecclésiaste chapitre 11, verset 11. Ecclésiaste chapitre 11, verset 5. Jean chapitre 3, verset 4 et 5. In the light of the Bible, we're going to look the meaning of the word. But before, you know, the life and death, they are the mystery. According to Ecclesiastes chapter 11, verse 5, John chapter 3, verse 4 and 5. Nous avons des scénarios de réputation. Et auteur montre nous la maison, deux maisons, maison de deuil et maison de festin. The writer shows there are two houses, houses of mourning, houses of joy, feast. Signification de réputation, c'est bonne renommée, good name. C'est quoi une réputation? Manière dont quelqu'un, quelque chose est connu, considéré dans un public. Et là, la réputation d'être honnête. In English, the opinion that people in general have about someone or something, or how much respect or admiration based on past behavior or character. Mais l'on dédia dit nous, c'est pour nous quimber une bonne réputation jusqu'à la fin. The men of God tell us we need to keep a great reputation until death. The analogy can wear, aller dans une maison de deuil et aller dans une maison de festin, de contraste. Au théâtre, montrez-nous, aller dans une maison de deuil, ça veut dire que nous quitter le Saint-Esprit de Dieu, rentrer dans le cœur, nous respecter et nous vénérer. Et notre Seigneur Jésus-Christ, et puis nous vivons compassion. Mais aller dans une maison de fils, where the fool drinking, doing anything, and they don't have the womb to give their lives to Jesus Christ. C'est contraste là, maison de deuil et maison de joie. Maison de joie à côté des fils, ce festin, c'est bré ou bré. Au moins tout. Plaisir. Salomon enseigne-nous la mort, si on destinée à tout le monde. Mais cœur sage, fidèle et sincère, demeurer dans la maison avec le monde qui a pleuré dans la maison de la famille de Jeannot. De qui était et avec famille. Non. C'est ça que fait nous toutes là, nous réunir pour supporter, pour encourager famille, non. Pour pleurer ensemble avec famille. La Bible dit rire ensemble avec mon Gabriel, jouer, joyer avec mon côté de joie, côté de la joie, mais pleurer avec côté de tristesse, là, ensemble avec nous. Mais c'est ça qu'on a fait là. C'est une condition sine qua non liée. Mais insensé, il a pris plaisir dans la maison de festin. Je vais quitter la portion ça pour un moment. On a regardé la vie de
frère Cadeus Jeannot. The loss of the life of our deceased brother, Cadeus Jeannot. Il est affilié avec CMC 8 ans de cela. Nous baptisons lui. Il était un membre fervent de CMC, un homme très jovial. Depuis lui, présence lui dans l'église, dans l'école du dimanche, c'est classe lui pour gagner. Il est toujours présent pour assurer la sécurité de l'église. Quand nous avons fait célébration, il était très actif dans l'église. Et le supporter de l'église aussi, et l'église, il est en Haïti, c'est l'église Maranatha de Mílot, côté l'ange de l'église, et sur le podium, pasteur Willy Rouchon, il est toujours aller dans l'église. Il était un bon père, un bon mari, un bon ami, un homme soucieux. Il était même maman li en pile jusqu'au bout. La dernière fois, pendant lui, dans l'église, il était sorti en Haïti. Il dit l'église, raison, il fait l'irriter en Haïti, maman lui avancé en âge, de 103 ans, il voulait bah maman lui en pile assistance. Et nous voyons que c'est un monde qui a des soucis de famille. Fakadeïs, tu aimes jouer domino. Enfin, nous avons perdu un bon frère. Bon Dieu, pas jamais fait erreur. Frère Cadéus est dans la mission. Il est arrivé, il m'a dit il a bien ensemble avec vous. Il est au bras d'Abraham, au sein d'Abraham. Maintenant, c'est dodiner la dodiner au sein d'Abraham. On dit, welcome, my beloved son. Non, on dit vous-même qu'il a, hier soir, tu as eu un pile de témoignage. Mission, frère, nous, l'y accompli. Client, l'y de l'essieu. Et que l'on va l'adresser à vous-même. D'arriver pour vous une attention soutenue. D'arriver pour vous une chita là et puis pour aller retourner à la caillou et en bredouille. D'arriver pour avoir un bagage après-midi à matin ça comme un souvenir. Je vais lire pour nous dans Jean 14, verset 1 et 2. L'évangile selon Saint Jean. The Gospel according to Saint John. Verse chapter 14, verses 1 and 2. I'm going to read for you guys. En French. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Écoutez bien.
Ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui fait déclaration ça. Nous connaissons synoptique Gaspar, synoptique de l'Évangile. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et ça, Jésus-Christ fait déclaration ça. Et pas oublier, tout est toujours difficile pour l'homme de choisir la meilleure voie, bien le vrai chemin avant sa mort. Et quand nous avons quitté parti ça, reposer, nous avons regardé le parallèle de l'écriture. Dans Jean 14, verset 1D, si nous faisons un résumé, c'est suivez le chemin qui mène vers le Père. Suivez le chemin qui mène vers le Père. Follow the road or the direction which lead you toward the Father. De la vie, ça, il y a un bon chemin, il y a un mauvais chemin. Chemin qui mène vers le Père, et ça, c'est ça, et nous sommes libres vous-même. Il y a un chemin qui mène vers la perdition. Ça, c'est un mauvais chemin. There is the road which leads to our Father. It is a good way. But there is another way which leads to the hell, to the loss. It is a wrong way. It leads you straight to hell. Crooked way. Si nous avons demandé qu'est-ce que la mort? If I ask you, or if we ask you, what is death? What is the meaning of death? Qu'est-ce que la mort? Cessation complète et définitive de la vie d'un être humain, d'un animal, d'un corps inerte. In English, irreversible cessation of all vital functions, especially as indicated by permanent stoppage of the heart, respiration, and brain activities. This is the meaning, some of the meaning of death. Moses a joué 367 fois dans la Bible. This word find in Young Concordance Dictionary. 367 times total in the Bible. In the Old Testament, 249 times. In New Testament, 118 times. That's your more clear. Dans la Bible, nous jouons 367 fois. Et 249 fois dans l'Ancien Testament et 118 fois dans le Nouveau Testament, son mot-clé. Écoutez, les citations des grands penseurs. You know, I'm going to give you some quotes from French philosophers. Et M. Sarro, c'est grand penseur d'antan. Platon dit, la mort n'est que la séparation de l'âme avec le corps. Plato said, death is the separation of the soul and the body. Et Michel de Montaigne dit, tous les jours vont à la mort. Les derniers y arrivent. Michel of Montaigne said, all days
will go to death. And it is the last one. Is arrived. Troisième, La Fontaine dit, plutôt souffrir que mourir. C'est la devise de l'homme. La Fontaine said, it's rather to suffer than to die. It is humankind thinking. Chrétien, dans Jean chapitre 14, verset 1 et 2, Jésus-Christ tellement aimé nous, avant quelques heures de temps de sa crucifixion, les encourager, disciples, et dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et lui-même, il va le crucifier. Jésus-Christ montrait amour agapé. C'est seul Jésus qui a amour ça. Il y a trois sortes d'amour. Agapé, Eros et Philéo. Eros, c'est amour passage. Someone say, I love you. For interest, it's going, but it's not from the heart. Philéo, c'est Marie avec Madame, anthropos, men. You know, Philéo, the love of Philéo is men, anthropos, Greek word. You share with your mate, I share with my wife, and she shares with me. Anthropos, men. Jésus-Christ promesse nous. Bible a 250 promesses là-dedans. You know, the Bible has 250 promises on it. I repeat, the Bible has 250 promises. This is one of them. It says, I will prepare a house for a mansion. I will prepare a place. Nous voyons l'amour de Jésus envers nous. Mais, remember, les disciples préparer une chambre, une place pour nous, mais c'est pour les chrétiens. Si vous faites des choses qui mal, vous pas accepter Christ comme sauveur personnel. You're not a candidate. Mais c'est là où vous acceptez Christ comme sauveur personnel. Pas oublier, nous tous ces bénéficiaires. We are the beneficiary of God. Qui ça me plaisir là? Nous tous qui là, c'est nous, c'est bénéficiaire de Jésus, nous ou de Dieu. Qui doit m'expliquer? La pluie tombait sous dans tout le monde. Hey, soleil éclairé sous tout le monde. Même si ou bon, même si ou pas bon. Ça veut dire que c'est bénéficier nous. Moun yo qui kidnappé non. Kidnappé yo. La pluie tombe sous kayo. Et la pluie tombe sous moun kap soufri yo. Ça veut dire tout moun nous tout jouen. Mais, yo baye qui dit, baye chien, ton met li. Messieurs, la bien ensemble avec nous. On allez. Frère Cadéus, c'est fait un bon choix. Il a accepté Christ comme personnel. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas rencontré de l'adversité, des problèmes. Mais il fait un bon choix. Il a accepté Christ comme sauveur personnel. Et nous voyons ça crée les. Qui signifie la mort. Et chrétien, Jésus-Christ dit nous, il va préparer des demeures pour nous. Ça veut dire habitation des chambres. Ou même des appartements. Sens moderne du terme. Mais tout
nous trouver dans la maison du Père. Mais bien-aimé, pas oublier dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Psaume 90, verset 12. Enseignez-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Femme avec Seigneur, un moment ça, quand nous gagnons oxygène, quand nous gagnons tout produit pour guider, faire quoi en bonne santé, pas gaspiller ton nom. Gion là, nous ne pouvons pas marcher très bien. Gion là, nous ne pouvons pas. Ouais, très bien, on a perdu vision. Mais pendant que nous avons toute capacité, vivacité, et très fort, on nous a eu un morceau à Seigneur. À la bénédiction de Dieu. L'apôtre Job nous dit, nous rappelle, la vie de l'homme représente comme vapeur, comme une âme. Job 14, verset 7. Inab a de l'espérance, mais l'homme n'a aucune espérance. Auteur hébreu est juste quand il dit, car il est réservé, tenez bien, aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi, vient le jugement. Wow. Là, bien ensemble avec nous. Ça, c'est un avertissement. This is a warning. The Apostle Paul. Not the apostle, you know, the Holy Spirit, because Hebrew, no one could claim that who is the writer. Pas de monde qui est présenté comme auteur de livre, épître de prière. Et nous croyons que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui fait travailler ça. Il dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Ça, il y a un point d'interrogation. C'est un jugement, ça veut dire qu'il y a une culpabilité et il y a un innocent. Et je souhaitais, frère, nous, après mon lit, là, c'est Nekros et Thanatos. Nekros, c'est là, il y a un cercueil là. Thanatos, c'est le mot grec, c'est la rentrée de la poussière. C'est un peu au hasard. La Bible enseigne nous, il y a trois types de morts. The Bible teaches us there are three types of death. Mort physique. Maintenant, Frère Cadeus, you know, the physical death is right here, now. Brother, this is Cadeus Jeannot. Deuxième mort, c'est mort spirituel. Séparation, l'homme avec Dieu. The second death is a spiritual death. And there is a separation between human being and God. Genesis chapter 2, verse 7. Genèse chapitre 2, verset 7. Et troisièmement, mort éternelle. Ruine éternelle. La vie loin de Dieu. Is your death. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1er, nous dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Et qu'il y a, frère nous, il vient dans le terme, Vili, 71 ans, fait dans 1953. La Bible, c'est nous. L'homme est trichonométrie. The Bible teaches humankind
is trigonometry. That means three. L'homme composé de trois parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Comme Christ est le grand mathématicien. Mais l'homme mourit. Côté trois parties après aller. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Et m'a expliqué nous. Frère avec Semio pour nous connaître. Why you are here? Pour quelle raison we are here in the earth? Pour quelle raison nous là sur la terre? L'homme se compose de trois parties. Le corps, l'âme et le sang. Et l'esprit, excuse-moi. Ma banou définition. Premièrement, esprit a l'aller à Dieu, la joie de mon Dieu. Luke, chapitre 23, verse 46. Luke, chapitre 23, verset 46. Les moun nan mouri, esprit li, la joie de mettre. Deuxième, nomenclature. Et nom. Nan qui côté l'aller au sein d'un programme. The soul went to the bosom of Abraham, Father Abraham. According to Luke 16, verse 22. Selon Luc, chapitre 16, verset 22. Et quoi? What about the body? The body goes to the ground. Et quoi l'y aller dans la terre? Genèse chapitre 3, verset 19. Tu es poussière et tu tourneras en poussière. We are dust. Dust. And the dust came back to the ground. Genesis chapter 3, verse 19. Comme conclusion, il y a deux éternités. As a conclusion, there are two eternities. Éternité bienheureuse et éternité malheureuse. The eternity great blessing eternity and the soul of the eternity. Et nous connaissons vivre sur la terre. Faut depuis jeudi à pour nous connaître. Pour quelle raison nous vivons sous terre ça? Léon chrétien mourut. L'allait au sein d'Abraham. C'est pas au séjour des morts, mais au sein d'Abraham. Luc. Et nous sommes dit pour nous et vendé. Luc 16, verset 22. Ou même ensemble avec bien-aimé, nous remettons tout qui est là dans le ciel. Mais pour nous dans le ciel, c'est pour nous travailler. La mort sur un carrefour lié, c'est que tout le monde doit passer dans le carrefour ça. Mais est-ce que l'on passe dans le carrefour ça? On prend un vrai chemin. On ne peut pas aimer aller dans un mauvais chemin. Paul dit dans Philippiens chapitre 1, verset 21, il dit, car Christ est pour moi. Et la vie, la mort m'est égale. Car Christ est ma vie, la mort m'est égale. Paul connaît qu'il prend le ciel. Et là, il dit ça. Mais on ne peut pas aimer ou même qui est là. Sous qui est là, il ne va pas arriver. Est-ce qu'on prend dans le ciel ou bien on prend aller au séjour des morts ou prend aller dans le feu de la haine? C'est vous-même qui connaissez. I don't know. I want to advise you, my beloved brothers and sisters. If you
leave the church and you go on to the street, something happened, and you cannot make it back home, where are you going? Are you going to see Father of Abraham? Are you going to heaven? Are you going yonder? Jean 3, verset 16. Il dit à Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ après les nous, pas perdu de nous. Il dit il pourrait préparer demain, ça veut dire the mansion, the beautiful houses. And he leave you AC, refrigerator, everything, food, you name it. You know what? Because Jesus Christ care for you, for me, for all of us. Jesus care for you. Malgré on va crucifier lui, il dit, regardez, pas inquiété, il worry plus que l'autre disciple à Portio que lui-même. Agape love. Je dis à mon homme, dans le tabernacle ici, pour Dieu, nous opportunité pour nous tendre des paroles. Il y a des analogies. Salomon montre nous pour nous qu'aimer une bonne réputation. Une bonne réputation, il vaut mieux que une ceinture dorée. Ça, c'est en parlant de l'homme. Il montre nous il y a deux maisons, maison de deuil et maison de festin, mais il encourage nous pour nous aider dans la maison côté pour nous accepter et encourager les gens qui ont des problèmes. Et pendant nous encourager, bon Dieu vient nous parler dans le cœur, nous venons devenir un distributeur de la parole, nous aider les gens, nous encourager, nous montrer l'amour dans le cœur. Et deuxième scénario, dans Jean chapitre 14, verset 1 et 2, Jésus-Christ lui-même, il dit, il a préparé une place pour nous. Il pourrait préparer, laissez Jésus dire qu'il préparé une place pour nous, ça veut dire que la place ça, elle est magnifique. Il y a tout le monde là-dedans. Il y a cabane, il y a ouvrier, il y a téléphone, il y a computer, il y a Wi-Fi, il y a tout le monde, you name it. Parce que c'est Jésus même qui pourrait préparer pour nous. Wow, my beloved brother. The Bible got 250 miles on it. Prophecies, promises on it. And Jesus Christ declared by his own mouth, he's going to prepare a place for us. The mansion, the apartment, château bouillant. Et pas perdu opportunité ça. Ndame, si moi vraiment comprendre parole là, mon qui pourquoi accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, venez là pour nous prier vous. Il pas trop tard, venez, l'attendons. Et bon Dieu a béni nous millions, trillions d'âmes parce que nous obéissons à sa parole. Faut avec ça que bon Dieu garde nous, que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu, dans l'amour, jette bénédiction sur nous tout qui là. Acceptez-le comme sauveur personnel nous. Si nous pouvons accepter-le, venez. La prière vous-même. Que bon Dieu bénisse nous. La prière tournée. Accepter Christ comme sauveur personnel, nous, et puis nous avons la vie.
Et tout de suite, maintenant, nous allons pouvoir accueillir notre bien-aimé pasteur Gilles William dans la prière finale. Allons baisser tête pour la prière. Notre Dieu, Dieu créateur de l'univers, Père Saint et béni éternellement. Nous rendons grâce, nous rendons gloire au même qui t'a créé nous à qui image ou selon ressemblance. Nous disons merci de ce que nous encore vivons et être en mesure pour nous supporter si l'ayo qui plongeait dans la tristesse à cause du départ d'un être cher. Nous disons merci pour la vie de notre bien-aimé frère Jeannot Cadeus, lui-même qui quittait nous depuis 31 janvier 2024. Nous espérons que il était déjà accueilli par les saints anges, parce que tout simplement il était accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Nous gagnons la vie, mais aidez-nous, Seigneur, chacun de nous qui est là, pour nous capables de prier à l'instar de Moïse. Enseignez-nous pour nous compter jour nous, afin que nous appliquions que nous à la sagesse. Nous nous apprêtons, ô Père, à quitter cet espace pour nous aller déposer dépouille du défunt dans la dernière demeure qui c'est le tombeau. Nous prions qu'on capable de répandre sur les membres de la famille, les parents alliés affectés par ce départ. Il y a une abondance de grâce et de bénédiction afin que la paix, la joie, le réconfort capable d'accompagner pendant tout le moment de ça. Nous prions dans l'amour infini et dans la miséricorde ou capable de combler ce grand vide ô combien profond laissé par ce départ, je dirais, impromptu. Telle est notre prière par les mérites de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit l'honneur, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci un peu pour la présence. Thank you very much for the presence, all who come to support the family. Now we're going to call, send for funeral home. Stay tuned. Avant la belle bénédiction, et n'a pas campé pour recevoir la bénédiction. Comme Moïse, il va laisser pendre dans le désert. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin qu'il y ait la vie éternelle. Que l'éternel vous garde. Que l'éternel vous dirige. Que l'éternel vous bénisse. Que l'éternel vous pardonne. Recevons la bénédiction maintenant que la paix, l'amour et la douce communion avec le Saint-Esprit soit de mes repos chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Allez en paix.
Que Dieu vous bénisse tous. You may be seated. Just a short few announcements. We know that today is a really tough day, and we are going to continue to keep the family in prayers. This is my body, but I'm not in it. When you no longer see this body, know that I'm not with it. I look like me and I'm dressed like me, but it's only so you can say goodbye to the me you once knew. I've been with you all along, through your stories, your pain, and even your laughter. As you mourn for me, know that I am with you. This is just my body. I'm not in it. I'm with you. I still live. I live in all of your thoughts. And I live in all of your memories. Miss me, but keep me in your memories, because this is just my body. I'm not in it. I'm with you. On behalf of the St. Fort's Funeral Home and the St. Fort's family and all of our staff, we'd like to say to the family our sincere condolences to you. We know that this is a very difficult time. The family would like to thank you all this morning for all of your acts of kindness, your telephone calls, your presence, and even your prayers. They might not be able to thank you now, but maybe later in a more personal way. Famille, pour remercier nous tout matin pour tout courage que nous bail famille. Téléphone appel nous, présence nous, et puis spécialement prière nous. The family did want us to acknowledge the flowers, so we have a few cards, and I'll just read them at this time. The first card that I have in my hands, it's from the Group d'Hommes de CMC, Mr. Jean-Pierre, may he rest in peace. Another card that I have here, the card reads, may he rest in peace. Heaven as an angel now, you will always be missed forever from Dorville and Gertha. The next flower reads, this is sent with love and remembrance from Yasmin, Hala, Alani, and Nanny. We miss you and may you rest in peace. There's another flower here, the casket spray, that reads, this is from our dear family. We love you, Dad. We miss you. May you rest in peace. The family thanks you for all of your wonderful flowers. And for those of you that are going to go with us to the cemetery, if you're going to follow the funeral procession, we ask that you have your headlights on and emergency lights flashing. We'll be going to Vista Memorial Park, which is located on 57th Avenue and 142nd Street. Pour mon cap si cortège enterrement mandé que nous mettre lumière emergency nous à flasher et si que nous suivre cortège dans ce cimetière qui sous 57e Avenue et puis 142e Street. Après service cimetière famille a invité nous pour réception. C'est dans KD Event Hall. Et puis l'adresse c'est 817 Northwest 119e Street dans Miami. Et adresse directement des programmes aussi que nous pas contre côté nous parler adresse là. So again, the family is going to invite you for reception at the KD Event Hall, and that's 817 Northwest 119th Street. Again, family wants to say thank you. I always like to end with the family does not want this to be the only time that they see you. Please continue to reach out to them, give them a call, because they're going to need your support moving forward. Are there any pallbearers? If there are any pallbearers, if you can meet us up here, please, near the casket, so that we can proceed to exit. And if I can get the pastors to lead us out, please, thank you.